Et donc, ce qu'on va faire maintenant, en premier, c'est se fixer par rapport à ce que vous avez décidé de faire, d'avoir ou d'être. D'accord ? Vous allez choisir un de ces trois objectifs-là, celui qui vous le tient le plus à cœur, et vous allez choisir une action que vous voudriez avoir réussie au cours des trois prochaines semaines. Si vous avez fait ça, ça vous rapproche de votre objectif. Donc, si l'objectif, c'est je veux avoir une Nissan GT-R en 2010 et être capable de la payer, ça veut dire que dans les trois prochaines semaines, vous pourriez soit découvrir le prix en allant sur un catalogue et donc peut-être changer d'idée, soit faire votre premier versement sur un compte bloqué pour être sûr qu'un jour vous aurez l'économie pour ça, soit ben, tout simplement aller l'acheter parce que vous avez les moyens, qui sait. Donc, dans les trois prochaines semaines, quelles actions vous pourriez faire comme première étape pour atteindre l'objectif que vous préférez, ok ? Donc, je vais vous demander d'ouvrir votre carnet de l'apprenant. J'espère que tout le monde a un stylo. Non, tu n'as pas de stylo, Cyril. Ah bon, hein ? D'accord. Franchement, si toi, tu n'avais pas de stylo, je pense qu'on ne serait pas sauvés, quoi. Donc, après la page de l'engagement, sur laquelle on va revenir dans quelques instants, vous tournez, on prend de l'avance. Le principe du carnet, c'est qu'on ne va pas le faire dans l'ordre, parce que ça serait trop simple. J'aime pas trop les trucs simples. Après, vous avez donc une page où il y a tout simplement choses que j'aimerais avoir, choses que j'aimerais être, choses que j'aimerais faire ou savoir faire. Donc vous allez noter, et ça reste pour vous, la chose que vous avez décidé de posséder au cours des 6 prochains mois, d'accord ? On vise pas la fin des temps. La chose que vous souhaitez apprendre à faire, donc ça peut être un sport, ça peut être un savoir-faire technique, ça peut être si vous êtes étudiant, avoir votre diplôme, ou si vous êtes au boulot, passer au stade supérieur. Et la chose que vous aimeriez devenir, c'est, je voudrais être, par exemple, être en couple. Je voudrais être un super dragueur qui sera jamais en couple parce qu'il aura une fille différente chaque semaine. Hervé, si tu nous entends. Je voudrais être Sébastien Knight, mais ça c'est pas possible, la brasse est déjà prise. Je voudrais être acteur, enfin quelque chose que vous voudriez vraiment devenir, ou du moins qui serait la première étape pour ce que vous voulez devenir dans beaucoup plus longtemps. Ok ? Donc vous marquez ça en premier. Une fois que c'est fait, vous levez la main. Ok. Ok. Oui. Alors je vois que les droitiers sont quand même vachement plus rapides que les gauchers. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Et maintenant vous allez vous tourner vers votre voisin de gauche. Et vous allez dire à votre voisin de gauche ce que vous allez faire pendant les trois prochaines semaines. D'accord ? Donc ceux qui n'ont pas de voisin de gauche, vous vous démerdez, vous en pourrez en trouver un. Ce que vous allez faire pendant les trois prochaines semaines pour atteindre le premier objectif qui est sur la liste. D'accord ? Donc 3, 4, je vais vous donner juste une minute. Vous allez d'abord échanger avec votre voisin de gauche. Donc ça veut dire que celui qui a le plus de charisme va réussir à joindre son voisin avant qu'il se tourne à son tour vers sa gauche. Et ensuite, vous aurez une minute pour vous retourner. Ok ? Faites top chrono. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans les trois prochaines semaines pour atteindre un de ces objectifs ? Ok ? C'est parti. Ce que je vois sans voisin, c'est que vous êtes mal barré. Attention.